En cuiton. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur, avant de poser de nouvelles questions, Monsieur le témoin, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que à S21, il y avait un service qui s'occupait de l'économie, c'est-à-dire un service qui gérait les relations avec d'autres administrations pour pouvoir satisfaire les besoins de fonctionnement des emplois. Pour faire fonctionner S21, il fallait faire des entraves. Ou alors il fallait recevoir directement des entraves en fer. Éventuellement pour monter des murs, Je sais que ma question est très longue, mais est-ce que vous avez compris ma question? Et est-ce que vous savez à qui il s'adressait, par exemple, pour obtenir des entraves? Qui fabriquait les entraves? D'où venait-elle? Il semble sur certaines photos que certains fers, si on utilisait, pouvaient ressembler à des fers qu'on utilise pour la construction, des fers à béton. Est-ce que vous avez une idée d'où venaient ces entraves? Vous-même, vous avez besoin de papier, besoin de machine à écrire. À qui vous adressez-vous pour obtenir les matériels dont vous avez besoin? Je suis un peu
trong ca tôi xây trong ca ấy cứ không chạy tôn từ mấy là chụp chuyện mình đi xóm phải mua hàng xu chậm lại nữa và các bạn khác ấy nhưng tràn được xóm bị hàng nặng Alors, vous avez dit qu'il y avait un service de logistique. Ce service de logistique qui dépendait de quelle unité? L'unité des interrogateurs, l'unité des gardiens, ou est-ce qu'il était de ce service de logistique? ໃນພໍພີແລະປດອລແຕ່ດູຈະໄຕສາດດູຈະອີ່ນັ້ນຄືວີໃນក្នុងມີແຕ່ມະເນະແຕ່ນັ້ນຄືຊະແນັບແຕກຕອງດູອັນນັ້ນໃນក្នុងກົມມະນຕີບໍແຕ່ສູ່ຈໍາຫຼາຍທີ່ແຕກຕອງໂຕທາງສາຍນັ້ນມີກໍມີອີ່ຫຍັງແຕກຕອງມີປາຍມີອີ່ຫຍັງແຕກຕອງທາງສາຍນັ້ນ Et vous souvenez du nom de cette personne? Est-ce que vous pouvez répéter parce qu'on a eu un problème de communication avec la cabine d'interprétation et on n'a pas entendu le nom que vous avez dit. Alors, je suis désolé de vous le demander pour la troisième fois, mais je n'ai toujours pas entendu le nom de cette personne. Juste le nom, dites-moi. Voilà. Nous avons maintenant entendu le nom qui a été indiqué par le témoin. Il s'agit de Thon. Je ne sais pas si c'est le cas pour le reste des francophones, mais il y a un problème de contact. Enfin, il y a de la friture sur notre ligne en français. Je pense que c'est ça qui cause problème. Je n'ai pas de friture, mais c'est vrai que je n'avais pas entendu le nom. Bien. On va passer à un autre sujet, monsieur le témoin. Hier, monsieur le procureur vous a posé des questions par rapport à la prison de Takmao. Je voudrais qu'on vous remette un document. Donc, il s'agit du document E3A/48. Je précise que ce document vient juste d'être je crois que les parties ont reçu notification. Peut-être pas par Zailab. Voilà. Donc la version, la traduction que j'ai de ce document indique ceci. In coming list, all comrades are requested to not to tear
or touch this book, and one shall not tear off any pages of the book. These are merely the list of enemies. Les pages suivantes, on peut noter que, en fait, on a réutilisé des factures commerciales d'une entreprise 5 ong. Il y a des colonnes et on voit le nom de personne. Au bas de la seconde page, on voit marqué ceci: taken to Takmao to be smashed on 14 November 1976. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce document? Est-ce que vous reconnaissez l'écriture de cette écriture vous est familière? Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que vous pouvez dire éventuellement qui aurait pu écrire cela? ខ្ញុំរៀបជូនតុលាការបានដែរឬទេថាអ្នកណាជាអ្នកសរសេរអសនឹងខ្ញុំមិនអាចដឹងច្បាស់ទេពីព្រោះការជំនិតតំណងជាមួយតាក់ខ្មៅមកខ្ញុំនឹងគឺអត់មានដែលជំនិតតំណងនេះសោះដូចនេះបញ្ហាឲ្យដឹងថានារីណាទៅសេរអីគឺខ្ញុំមិនបានដឹងហើយជីនេះខ្ញុំមិនដែលបានឃើញផង Alors, sur cette liste, il y a différentes indications, notamment les gens qui sont revenus de l'étranger qui ont été arrêtés pendant le championnat de France, aussi voir un peu plus loin les listes des cellules ou des emplacements où les gens étaient placés. Par exemple, à un moment, on parle d'une house, maison, co. Est-ce qu'il y avait, on utilisait AS21, des appellations comme house, co. House, co, ptea, co. ឬក៏ផ្ទះកអីហ្នឹងកាលសម័យនោះមានគេមានប្រើអញ្ចឹងទេមានប្រើពាក្យអស់ហ្នឹងទេដើម្បីកំណត់អាគារឬក៏បន្ទប់ឃុំខ្លួន កាលសម័យនោះការកំណត់គឺមានតាមអាគារគឺមានប៉ុន្តែបើខ្ញុំពិនិត្យក្នុងឯកសារនេះទៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅសរមិនភ័យមួយខនេះកន្លែងឃុំឃាំងអ្នកទូនេះអត់មានត្រូវគ្នាសោះ Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite et nous dire pourquoi il ne correspond pas à S21? ហេតុអីបានលោកនិយាយថាឯកសារនេះពាក្យនេះផ្ទះខនេះມັນសំដៅទៅផ្ទះនៅមន្ទីរ២១ទេពីព្រោះយ៉ាងម៉េចអ្វីៗក៏គឺខុសគ្នាទាំងអស់ផ្ទះមន្ទីរ២១វាគេកំណត់ផ្សេងហើយបញ្ជីក៏ធ្វើខុសគ្នាដែរអត់មានបញ្ជីអញ្ចឹងអានេះគេកំណត់ខ្លួនគេខាងនោះគេធ្វើទេ
Merci. Vous nous avez dit, Est-ce que le service dans lequel vous travaillez était appelé service de documentation? Je comprends bien, monsieur, que votre service faisait partie de l'unité de gardien. Mais vous, personnellement, est-ce que vous aviez une section parce qu'on peut considérer que vous étiez responsable d'une section qu'on appelait la section de documentation? Bien, est-ce qu'il y avait ailleurs, dans les un service ក្នុងមន្ទីរសំភៃមួយនេះមានផ្នែកមួយឬក៏ក្រុមមួយដែលគេហៅថាក្រុមឯកសារតើមានអញ្ចឹងទេនៅមន្ទីរសំភៃមួយនៅក្នុងផ្នែកកងការពារនេះគឺអត់មានផ្នែកឯកសារទេគឺគេកំណត់ទាំងអស់វាដល់ 8 ក្រុមក្នុងកងការពារហ្នឹងអានឹងកងការពារអ្នកយាមហ្នឹង ប៉ុន្តែក្រុមខ្ញុំហ្នឹងគឺក្រុមទី18ក្រុមមន្ទីរគេហៅថាក្រុមមន្ទីរទី18របស់កងការពារហើយខ្ញុំទុំបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតថាក្រុមមន្ទីរហ្នឹងគឺវាមានក្នុងគេហៅឈ្មោះក្រុមមន្ទីរប៉ុន្តែក្រុមទី13ចុងក្រោយគេបង្អស់ហើយក្នុងក្រុមមន្ទីរហ្នឹងវាមាន Est-ce que dans le groupe អន្តរជាតិនៅក្នុងក្រុមអ្នកសួរចម្លើយឬអង្គភាពអ្នកសួរចម្លើយនោះតើមានក្រុមណាមួយដែលគេហៅថាក្រុមឯកសារហើយបើសិនជាមានក្រុមឯកសារនេះនៅក្នុងអង្គភាពសួរចម្លើយហ្នឹងតើអ្នកណាជាអ្នកប្រធានក្រុមហ្នឹង ក្នុងមន្ទីរសួរចម្លើយ គឺក្រុមឯកសារគឺខ្ញុំវាមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទេមិនដឹងជាអ្នកណាប្រធានក្រុមឯកសារហ្នឹងទេប៉ុន្តែតែនៅក្នុងមន្ទីរគេហៅថាមន្ទីរដូចមន្ទីរសួរចម្លើយដាក់មន្ទីរគេមួយដែលមានដូចជាអ្នកហ្នឹងហ្នឹងដែលមានមេញជាប្រធានហ្នឹងមេញប្រធានក្នុងមន្ទីរដែលរបស់ដែលដូចកាន់កាប់ហ្នឹង Bien, mais vous nous confirmez qu'il y avait bien un groupe qu'on appelait de documentation au sein de l'unité d'interrogatoire. លោកកំពុងតែបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាមានក្រុមឯកសារហ្នឹងមែនមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយបើមានក្រុមហ្នឹងមានមែនទេតើការងាររបស់គាត់នឹងក្រៅពីឯកសារហ្នឹងគាត់ធ្វើអីផ្សេងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគាត់ដែលសួរចម្លើយអ្នកទោសទេពួកខាងនៅក្នុងក្រុមឯកសារហ្នឹង ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថារឿងការងារនៅខាងផ្នែកមន្ទីរសួរចម្លើយនោះគឺខ្ញុំអត់បានដឹងពិតប្រាកដទេព្រោះខ្ញុំនៅខាងការពារនៅខាងក្នុងនេះ
Bien. Monsieur le témoin, vous avez dit que vous avez participé à cette formation. Est-ce que vous pouvez nous dire si au cours de cette session, lorsqu'on parlait des détenus, on disait les prisonniers, bien ce qu'on disait les ennemis. Comment disait-on les prisonniers au cours de sessions de formation? រឿងពាក្យទាំងនេះគឺខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ច្បាស់ព្រោះថាអ្នកទោសឲ្យតែចូលមកគេហៅអ្នកទោសអ្នកទោសហើយប៉ុន្តែការរៀនសូត្រនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ហ្នឹងគឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍មិនដឹងគេថាខ្មាំងហ្នឹងអ្នកទោសហ្នឹងមិនបានវាមិនបានច្បាស់ឡើយ Bien, monsieur, je vais demander à ce qu'on vous remette un document. Il s'agit d'un document plutôt il s'agit d'un document présentant sous forme de circulaire dont le titre est le règlement de la surveillance des ennemis. Ce document figure au ERN 0 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
Alors, je vais demander à ce qu'on vous remette un document. L'ERN en anglais, oui, en anglais 00 18 18 29 82. Alors je précise que sur ce document on ne voit plus, on ne peut pas lire le nom des détenus, l'activité professionnelle et l'unité, le ministère ou le bureau et apparemment, il y a également indiqué received by T. Alors, est-ce que vous avez utilisé ce genre de formulaire? Phần tay bà sân chỉ miến cứ miến chùm phun nè để bà cô lòi máu cứ trả nè phụ con bà xe đi. Con bà xe nè khẳng cao cứ bà cô lòi máu hay chùm bà xe trên chân tàu. Đó là rương bị khẳng cao mà bà cô lòi miến nè. Hay chùm lúc bà bót trong ca đặt tuôn nắng cứ cầm rò miến miến phư nè. Monsieur le témoin, il y a une indication relativement précise sur ce document. Les personnes ont été remises par Tan. Est-ce que vous connaissez le dénommé Tan? Et en dessous, il y a marqué reçu par T. Il y a une signature. Est-ce que vous reconnaissez votre signature sur ce document? Et apparemment également en haut, au-dessus de l'office S21, il y aurait marqué signé par Roch. Est-ce que vous comprenez ça?
Est-ce que, monsieur le témoin, est-ce que vous étiez prévenu à l'avance de l'arrivée? Monsieur le témoin, est-ce que vous étiez prévenu à l'avance de l'arrivée de prisonniers à S21? Ou est-ce que mon père de Nato Mandal, le disant Paimoui, le Tonetti, John Crow, Hai, Panke, Prab, Lokta Nato Mandal, Hai, Lokta, Josh Mosho, Nomji. Tempo, Nato, Dalmau, Dal, Kiki, Admin Prab, Himun, Tai, Nato, Mau, Dal, Lang, as I say, Ate. Kita, Mauki, Yomacho, Mauki, Yomacho, Damadan. Est-ce que lorsque les prisonniers arrivaient, ceux-ci et qu'ils vous étaient remis, est-ce qu'on l'arrivait qu'on vous remettait également? ខ្ញុំចង់សួរលោកថាពេលដែលអ្នកទោសមកដល់នោះតើលោកធ្លាប់ទទួលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ដែរឬទេចំពោះអ្នកទោសមកដល់ហ្នឹងគឺឯកសារខ្ញុំអត់ដែលបានទទួលទេពីព្រោះអានឹងគេចាក់ទងទៅដូចឆាយអស់ហើយឯកសារបុគ្គលអីគេទៅឲ្យទៅដូចនោះប៉ុន្តែអ្នកទោសដល់មកដល់កន្លែងកងពិសេសកងពិសេសគេបដើមកគឺអត់មានអីមានអ្នកទោសមកមកតែម្ដង Alors, je vais prendre un exemple. Alors, qu'il y a un peu de temps, je vais demander à ce qu'on vous remette. Je vais demander à ce qu'on vous remette. Je vais demander à ce qu'on vous remette. Le RN en Khmer, un Khmer, que... et 011 80 à 011 80 413. Non. Le RN en anglais est 01 19 14 83 95. Il s'agit de biographie de pêcheurs vietnamiens. Est-ce que vous avez déjà vu ឯកសារនេះគឺខ្ញុំអត់បានដឹងពីឯកសារនេះប៉ុន្តែឯកសារនេះមានរបបមកពីណាមកពីមន្ទីរស-21ឬក៏មកពីកន្លែងផ្សេង
Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le témoin, si lorsque les prisonniers arrivaient à S21, ils étaient fouillés? Je veux comprendre. Vous me direz si je me trompe, bah, que quand les prisonniers arrivaient, ils avaient les yeux bandés et ils étaient menottés. Est-ce qu'ils étaient fouillés? Est-ce qu'ils devaient enlever leurs vêtements? Pour quelle raison enlevait-on les vêtements des prisonniers? Quand vous avez été entendu le Alors, nous avons parlé tout à l'heure du règlement. Je précise que vos déclarations sont en contradiction avec ce que vous avez dit dans ce règlement.
En ce qui concerne les vêtements des ennemis, il faut qu'ils les portent sur eux tous. Il ne faut pas leur permettre d'enlever leurs vêtements. S'ils enlevaient leurs habits sans autorisation, il serait impératif de les confisquer pour qu'ils n'aient plus rien à porter. អញ្ចឹងយើងមិនទេវិធីការសួរលោកនៅតែរសារចម្លើយរបស់លោកឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកនិយាយថាតាមការអនុវត្តនោះគឺវាស្ទេ ចម្ពោះវិន័យនេះគឺចម្ពោះខោអាវគឺវាមានដែលកែងកងស៊ូចម្លើយនឹងគេអ្នកខ្លះគេឲ្យស្លៀកពាក់វិញទៅអ្នកខ្លះឲ្យញៀនបានតែអ្នកដែលគេឲ្យស្លៀកពាក់នឹងគេអត់ឲ្យដោះចេញហ្នឹងបាទអានេះខ្ញុំចាំវាមិនច្បាស់តែរឿងអស់ហ្នឹងវាការកន្លងយូរមកមកហើយ Oui, sauf que quand il venait devant vous, vous voyez quand même bien s'ils étaient habillés ou pas habillés, monsieur. Alors, quand ils étaient devant vous, ils étaient habillés ou ils n'étaient pas habillés? ខ្ញុំខ្ញុំវាមិនទៀងទេអ្នកខ្លះក៏មានអ្នកខ្លះក៏អត់អ្នកខ្លះពាក់អាវអ្នកខ្លះក៏មានត្រឹមខោខ្លីប៉ុន្តែច្រើនមានអាវមានខោខ្លីហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនទៀងអស់គឺពួកខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេអាហ្នឹងបើមានក៏ធឺតក៏មិនមានអានេះស៊ីសងគឺអាស្រ័យទៅលើកងពិសេសទេតែប៉ុណ្្នឹងតែមានតែខោអាវខោខ្លីខ្ញុំចូលទៅខោទាំងខោអាវខោខ្លីហ្នឹង Est-ce qu'il vous arrivait, monsieur le témoin, de voir des prisonniers civils vietnamiens arriver avec des vêtements civils et se voir habillés ensuite en militaire vietnamien? Est-ce que vous avez constaté ce genre de pratique? Est-ce que vous avez vu qu'on demandait à des civils de mettre des uniformes militaires? ជនស៊ីវិលអ្នកទោសស៊ីវិលហ្នឹងពាក់សម្លៀកបំពាក់យោធាជាឯកសណ្ឋានយោធានេះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺអ្នកទោសវៀតណាមក៏ដោយគឺមកដល់ក្នុងគុកអត់មានដែរឃើញសម្លៀកពាក់យោធាច្រើនជាស៊ីវិលទាំងអស់ប៉ុន្តែការងារដែលស្លៀកពាក់ទាហានជាយោធានេះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងពិតប្រាកដទេ Je vais lire le point. Je vais lire le point 10 du règlement. Le point 10, paragraphe 1, dit ceci. Durant la surveillance, les cadres et les combattants doivent absolument fouiller les prisonniers en tout temps, en permanence, selon l'emploi du temps. Fouiller 4 fois. À 6h du matin, une fois. À 11h, une autre fois. À 6h du soir, encore une fois. Et à 11h du soir, une dernière fois. Est-ce que vous avez été témoin de telle fouille, monsieur le témoin? បានឃើញការឆែកការឆែកឆែកបែបហ្នឹងទេនេះចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីការវិន័យរបស់ អ្នកយាមជាកងការពារទាំងទេគឺមានតែហុយមិនដឹងច្បាស់លាស់អំពីការ
chạy chê em bị cái cứ khi mình chạp ở rộm tặng ốc. Est-ce que vous avez remarqué si à l'arrivée, certains prisonniers portaient des traces de coups? Tại cả chuẩn cả ấy cứ ở, nhưng mà ban chấp ở rộng chỉ mưa cái ấy cứ là mà ra là xe chung xe ấy là bị chung được nóng cứ ở ban chấp ở rộng chỉ phụ nãy tù. Monsieur le témoin, est-ce que lorsque vous posiez la question de leur identité à ces témoins, est-ce que vous, quand vous leur demandez comment ils s'appelaient, est-ce que vous les regardiez, est-ce que vous avez vu si certains portaient des traces de coups? Mình sẽ làm sao mà đi vừa phố. Nên tôi tập máu vì và trò của tôi như chân đang đặt bị xua hái cót ngã và chú nó kì sẽ thọt và trò và trò là hốt nâng. Vì cho nên ca nghĩa cái đó vì là cái chúng cứ nhóm ở sự mình ca chạp bà rộng. Donc, par exemple, il n'est jamais arrivé qu'un prisonnier soit envoyé directement voir le service médical parce qu'il serait arrivé en piteux état. Bien, donc votre travail, votre premier travail, consistait à remplir les fiches biographiques et plus précisément à remplir les cases vides sur ces fiches. C'était des fiches individuelles. Quel était l'objectif de ces fiches individuelles et en combien d'exemplaires étaient-elles réalisées? Plusieurs exemplaires. ហើយពេលដែលលោកបំពេញនឹងលោកបំពេញជាមួយច្បាប់ឬក៏ច្រើនច្បាប់ចម្ពោះការបំពេញអ្នកទោសក្នុងនេះគឺមានតែមួយច្បាប់មានតែមួយច្បាប់ហ្នឹងគឺទសេយ៍ឲ្យហើយដើម្បីយូរថតបတ်ហ្នឹងហើយការគឺហូគេអ្នកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហើយ Donc vous faisiez une copie. À qui était destinée la copie? Bà tỷ pi nó cứ nhung trăm mình sẽ ba thế mình tay bằng gì cả lo mà chúng mà đại ban thư sẽ bật ban sẽ bật tỷ pi trả phù lại cho chụp ca nghe sẽ bật tỷ muốn thư an toàn hai rồi an khổ bỏ thư và to của tôi như là hốt đôi khi này à bật tỷ pi nó an toàn ban chấm lo được nào đây không Quand vous faisiez une copie, était-ce parce qu'on vous en faisait la demande
ត្រូវធ្វើច្បាប់ទី២ហ្នឹងតតតែគេស្នើសុំឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាលោកត្រូវសរសេរច្បាប់ទី២ហ្នឹងហើយក្រោយពីសរសេរច្បាប់ទី២ហ្នឹងហើយលោកយកទៅប្រគល់ឲ្យអ្នកណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាច្បាប់ទី២ហ្នឹងគឺមិនទាន់បានធ្វើអ្វីពីផងអ្នកនេះបើពីរំលីព្រោះបើហោគេចង់ឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែដល់ការងារវាមានយកឫសធ្វើតែមួយហ្នឹងអត់ត້ອງអត់ទាន់ហ្នឹងដូច្នេះបាទច្បាប់ទី២ហ្នឹងគឺអត់ទា
Est-ce que vous avez une indication ou est-ce qu'il n'y avait pas d'ordre véritable? Et ces grands registres, c'était sous forme de livres ou c'était des boîtes, des simples boîtes dans lesquelles on mettait ces feuilles de papier? Est-ce que, au-delà de la simple fiche biographique, chaque détenu avait un dossier individuel dans lequel, par exemple, il avait fait AS21, ou bien d'autres photos? Est-ce qu'il y avait un dossier individuel qui allait au-delà de la simple fiche biographique? Est-ce que vous vous souvenez s'il est arrivé qu'on prenne des photographies des prisonniers une fois qu'ils aient été exécutés? Et est-ce que ces photos étaient ajoutées éventuellement à la fiche biographique ou bien si ces photos existaient, où étaient-elles placées? เรื่องดุษีอ่ะเรื่องประวัติรูปนี่ก็อาจมีรูปทอดแต่เนี่ยตัวได้สำหรับมีแต่รูปทอดเนี่ยตัวได้โจมมาแต่ปัจจุบันไงไอ้เอกสารไอ้ก็มีได้มีแต่ประวัติรูปสังเขปหนึ่งรูปทอดมาสลักได้โจมมาดอล Est-ce que vous savez s'il y a eu des photos de prisonniers exécutés? Je l'ai dit que mien ka tho ruk nak to da trai ban ke samlap hoy te. Chumpu kai nang ke khnyom ot ban dang chbas re vi pu khnyom ot ban tau kai da ke thot ruk nang pu mien da chieng thot hay nang da ho re da ke dang chmuoy kong ka pi. Monsieur le témoin, je vais relire une partie de la déposition que vous avez faite le 28 juillet 1966, vers 11h34-65. Vous avez dit ceci. Pour les cadres importants, comprenez leurs photos sur ordre d'en haut. Par exemple, on a pris la photo de Chai Kim Ho, de Von Vett, ou encore de Li Pal, alias Pal. Vous avez précisé ceci. Ces cadavres ont été exhumés et on a pris leur photo 3 jours après l'enterrement des corps.
ខ្ញុំអត់បានចាំចំពោះការចម្លើយយ៉ាងហ្នឹង Apparemment, c'est ce que vous avez dit ici, dans cette même salle. Est-ce que vous avez des problèmes de mémoire, monsieur Thémoine? Alors peut-être qu'on a cité ce qu'avait dit Duc pendant Vous avez dit ce matin que s'agissant des prisonniers sortants, vous deviez établir une liste des prisonniers qui devaient être retirés des effectifs. Est-ce qu'on employait le mot « retirer » ou est-ce qu'on utilisait l'expression « écraser » Est-ce que « écraser » et « retirer » ont la même signification ? Donc, vous avez dit que vous receviez une liste avec des annotations de Doïc. Je voudrais vous montrer une autre liste. Il s'agit du document E3-101-66-A. Est-ce qu'on peut remettre ce document? Alors, je précise qu'il s'agit d'un document qui vient tout juste d'être traduit. Et je pense que soit les parties en ont reçu une notification très récemment, soit l'ont envoyé un email à cet effet. La liste porte s'intitule List of people to be removed. Et sauf erreur de ma part, il y a une annotation qui n'a pas été traduite dans la version en anglais, juste à côté du titre. Monsieur le Tenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est écrit? Est-ce que vous avez déjà vu des listes comme celle-là?
បញ្ជីនេះគឺពិបាកសន្តានវិព្រោះបញ្ជីវាជាប់គ្នាហើយបញ្ជីជាប់គ្នាយ៉ាងពិបាកសន្តានបាក់មើល Alors, je précise pour le public, pour la compréhension de ce document, qu'il s'agit d'une liste de 40 détenus. La quasi-totalité de ces détenus sont des détenus femmes qui ont la particularité soit d'être enceinte, soit d'avoir tout juste accouché. Je précise que cette liste contient le nom des prisonniers, des prisonnières, leur âge, leur position, le ministère ou l'unité dont elles proviennent, la date à laquelle elles sont rentrées, le nom de leur conjoint, la position de leur conjoint, l'unité dont dépend le conjoint et le nombre d'enfants. Et il y a par exemple six months pregnancy, five months pregnancy, four months pregnancy. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ce genre de liste, monsieur? Sachant que, par ailleurs, si on prend chaque ligne, non seulement il y a le nom de la prisonnière, mais aussi le nombre d'enfants. Donc, la première ligne, on sait que la prisonnière avait 4 enfants, 3 enfants. Avez-vous déjà vu cette liste, ce genre de liste, monsieur le président? លោកកិច្ចក្រុមឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយរៀបការសម្រាប់ចាប់ពេលនេះទៅទៅលោកអំងបីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ស្អីដល់សាកសីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលឈប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាកសីមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង3សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើ